Principalement dans cette vidéo, on va parler de trading algorithmique. Et quand on parle de trading algorithmique, on va aborder ici les différentes stratégies. Et on va commencer par la stratégie qu'on appelle le momentum. Voilà. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, pour ce faire, on va parler de la stratégie de trading appelée le momentum. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par définir le momentum. Voilà. Donc, le momentum, dans le sommaire, voilà le sommaire, on aura définition de la stratégie de momentum, les raisons de son fonctionnement, l'exemple de l'allocation technique de portefeuille avec le momentum. Donc, le momentum, c'est quoi? Voilà, c'est la tendance ou ce qu'on appelle trend follower, c'est-à-dire suivre la tendance. Voilà, c'est la tendance qu'ont les actions à persister dans leur performance. Les actions qui ont obtenu de bonnes performances passées tendent à surperformer les autres actions sur la période suivante. On suit une tendance, on utilise des statistiques pour déterminer si la tendance va continuer. De la même façon, les actions dont le rendement est faible ont tendance à maintenir leur retard sur la période suivante. Grosso modo, c'est une manière de dire que si... dans les périodes passées, un actif ou une action a eu des bonnes performances, il y a des chances que cette tendance continue sur les périodes à venir. Voilà. De la même façon, si il se trouve qu'il y a un asset ou un actif qui a eu des mauvaises performances dans le passé, il y a des chances que cela continue encore dans les périodes à venir. Donc ça, c'est à peu près l'explication pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'effet momentum. De base. Ensuite, l'idée c'est de profiter de justement cet effet momentum pour pouvoir faire des profits. Voilà, donc ça c'est important, ça c'est notre stratégie. Voilà, donc ça c'est défini. Ensuite, les raisons pour lesquelles ça marche. Quelles sont les raisons pour lesquelles la stratégie de trading momentum marche? C'est une très bonne question et c'est une très bonne question à analyser aussi. Donc, les raisons pour lesquelles ces stratégies fonctionnent, on a ce qu'on appelle l'effet de disposition. L'effet de disposition, c'est-à-dire la tendance qu'ont les investisseurs à vendre des actions dont le prix a augmenté, mais à conserver celles dont la valeur a chuté. Voilà. Donc, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage qui consiste à trop croire en d'anciennes informations pour illustrer l'ancrage, nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, de Apple. Voilà, donc ces deux effets-là font que cette stratégie fonctionne. Donc, l'effet de disposition et l'effet d'ancrage. Voilà, donc ça, c'est les deux effets qui font que la stratégie fonctionne. Donc, ça, c'est pour vraiment expliquer l'approche pour comprendre un peu ce que c'est que une stratégie de trading basée sur le momentum. Voilà, donc pour synthétiser, le momentum, vraiment, on estime que dans le passé, si une action a performé, elle va continuer sur une tendance, donc elle va suivre cette tendance-là avant qu'il y ait une inversion. Voilà, donc acheter haut et vendre plus haut, exactement avant l'inversion de la tendance. Donc on va essayer d'identifier tout ça avec des statistiques qui vont nous permettre de se positionner. Donc ça, c'était pour expliquer globalement qu'est-ce que c'est que le momentum. Maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce que c'est que le momentum, on va essayer de caractériser ça par un exemple. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est les caractéristiques de l'allocation technique avec le momentum entre deux portefeuilles. Voilà, ça c'est la stratégie que j'ai choisi pour illustrer le momentum. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord choisir deux actifs. On va choisir un actif qui sera risqué. Et on va choisir un autre actif qui sera sécurisé. Donc ça, c'est d'abord la base. Choisir deux actifs, un qui est risqué, un qui est sécurisé. Et la stratégie globale va
être de balancer notre cash ou l'investissement qu'on va faire entre ces deux actifs. D'un côté, l'actif risqué et de l'autre, l'actif sécure. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée derrière la stratégie globale. Et ça, c'est la première étape de cette idée. Ensuite, la deuxième étape, c'est préparer l'indicateur de paramétrage. Donc, l'indicateur en question, l'utilisation de la méthode Capitalize MOMP, indicateur qui a besoin d'être préchauffé parce que c'est un indicateur qui fonctionne avec les périodes précédentes. Donc, il faut lui donner le temps de pouvoir récolter les données précédentes, analyser ces données-là, les réinjecter dans l'algorithme afin de le faire tourner pour qu'il fonctionne. Donc, il y a des paramétrages à faire. Bon, moi, personnellement, pour mon trading algorithmique, j'utilise Quant Connect et d'autres outils ou d'autres plateformes pour trader. Voilà, donc, après, il y a plein d'autres plateformes. On a Quant Connect, on en a de nombreuses. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette plateforme-là. Et si vous êtes intéressé que j'analyse d'autres plateformes, dites-le moi en commentaire et on verra sur d'autres vidéos comment gérer ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, on va quand même aller sur Quant Connect, histoire de voir un peu tout ça. Voilà. Donc là, on est sur Quant Connect, comme vous pouvez le voir. Donc on est, comme on a dit, on est sur la première étape. Hein. Première étape, choisir deux actifs, voilà, un risqué, un save, et injecter les données de ces deux actifs-là dans l'algorithme. C'est ça, premier. On choisit les deux actifs, risqué, save. Ensuite, au niveau de l'algorithme, on injecte les données de ces deux actifs avec une résolution. Une résolution, c'est-à-dire, on peut injecter des données journalières, on peut injecter des données au niveau des heures ou au niveau des minutes. Voilà. Donc, on va passer sur la partie code pour essayer de voir ça ensemble. Donc, comme vous le voyez, là, on a le code en question. On a le code avec l'allocation de tout ça au niveau de l'algorithme. Pour préciser, je fais des algos, les algos sur lesquels on fait les exemples sont les algos en Python. Voilà. On n'a pas besoin d'être calé en informatique ou en code pour comprendre de quoi il s'agit. Je vais avoir une approche par puzzle pour vous expliquer puzzle par puzzle comment tout ça s'assemble afin de faire un algorithme global. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on va d'abord commencer par ce qu'on a dit. Donc, ce qu'on a dit, c'est ajouter les deux actifs. Donc, en premier actif, on a pris SPY et on a pris BNT, voilà, avec une résolution spécifique. Comme vous pouvez le voir dans le code ici, on a quoi? On a d'abord lancé une classe qui est Momentum Base Tactical Allocation. Voilà. Donc, on va d'abord définir. Voilà, on définit la période du sur lequel l'algorithme va faire les tests. Parce que là, on est en mode backtest d'abord. Voilà. Donc, sur cette période-là, on va d'abord, première souscription, on va souscrire au S&P 500 Index ETF, en mode pour recevoir les données journalières. Donc, comme vous voyez, using daily resolution, c'est-à-dire que ça, c'est la ligne de code qui va nous permettre d'injecter à l'intérieur de notre algorithme les données concernant SPY en résolution journalière. Donc, vous voyez bien cette ligne-là. Ça, on a déjà injecté à l'intérieur de l'algorithme, comme on a dit, les informations concernant le premier actif qu'on a sélectionné. La deuxième ligne que vous voyez, qui est pareil, qui concerne l'injection des données pour BND. Voilà. Vanguard Total Bond Market ETF avec une résolution journalière. Donc, comme vous voyez, la ligne de code self.bnd égale self.addEquity BND avec une résolution daily. Et le troisième, c'est le montant qu'on veut faire. Donc, on a trois commandes principales ici. Première commande, ajout de la première du premier asset qui était risqué, puisque c'est une stratégie d'allocation entre un asset risqué et un asset safe. Donc voilà la ligne de code qui permet d'injecter les données pour le premier asset qui est l'asset C. Ensuite, voici la deuxième ligne de code qui permet d'injecter les données pour l'asset sécurisé avec une résolution journalière, résolution.daily, comme vous pouvez le voir. Et en bas, la dernière ligne, on a l'affectation du cash. Bon, voilà, donc ça c'est vraiment la première étape, comme je viens de voir, qui a été effectuée. Dans une ligne de code que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Donc,
La deuxième étape consiste à préparer l'indicateur, à le paramétrer. Voilà. Donc, utilisation de la méthode Capitalize, MOMP. L'indicateur a besoin d'être préchauffé comme un startup. Donc, si vous voulez, je vais même chercher la définition de MOMP, Momentum Pulsant Indicator. Voilà. Le ticker, c'est-à-dire c'est le nom de l'actif, la période et la résolution, comme on a vu au niveau de débit. Donc, ça, c'est le paramétrage qu'il faut faire pour cet indicateur à utiliser. Donc, on va repartir sur Camp Connect. On va d'abord subir le code pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on voit que ça fonctionne bien. D'accord, tout tourne. Tac, parfait. Voilà, congratulations. On a réussi à le faire. Voilà, donc ça déjà, ça c'est fait. Déjà, l'ordinateur nous le dit clairement. Donc, là maintenant, on va passer à l'étape suivante qui est la préparation, comme on a pu le voir, de l'indicateur de paramétrage. Voilà, donc sur cette ligne de code, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est pas compliqué. On va essayer de préparer le fameux indicateur. Et pour ce faire, on va ajouter 50 jours de momentum pulsant indicateur pour SPY et ajouter 50 jours de momentum pourcentage indicateur pour BND. Donc on est d'accord pour paramétrer cet indicateur momentum MOMP qui va nous aider dans le calcul du momentum pour les deux actifs concernant la stratégie d'allocation technique entre ces deux actifs, un risqué et un plus sécurisé. On va utiliser l'indicateur technique momentum défini par les paramétrages de MOMP sous Camp Connect et on va essayer de l'alimenter. Donc pour l'alimenter, on doit ajouter 50 jours de momentum pour son indicateur pour SPY. On doit ajouter 50 jours momentum pour son indicateur fois pour BND. Ok, donc ça c'est fait. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, voilà la ligne de code en question. Donc self.spy égale self.equity SMP résolution pack. Pareil sur ça. Donc vous voyez les deux lignes qui permettent d'ajouter les données. On est d'accord. Ça, c'est les données, ce qu'on a vu donc, précédemment dans l'étape. Donc là, la deuxième étape maintenant, c'est le paramétrage de l'indicateur momentum. Ok, Google, stop. Il y a mon Google, il parle pendant que je fais la vidéo, donc voilà, au moins, on peut dire que c'est du direct et du live, tu vois. Voilà, d'ailleurs, je kiffe Google Chrome, ils m'aident beaucoup. Voilà, continuons. Donc, comme vous pouvez le voir, on a première ligne, on est d'accord, on a 50 jours de momentum pour son indicateur pour le premier actif qu'on avait sélectionné, l'actif risqué volatile, on va dire, SPY, mais qui est comporte une part de risque pour le coup. Donc la ligne qui montre clairement self.sp momentum égale self.momp sp 50 résolution débit. Donc on prend les 50 jours, on ajoute. Donc on injecte les 50 jours à l'intérieur du paramétrage de l'indicateur momentum afin qu'il fasse ses calculs. Ok, et on fait pareil pour le deuxième actif. Voilà. Et là, on submit, il compile. Le code compile, il compile. Voilà. Et il nous dit, tout est bon. Congratulations, cette étape est validée. Donc ça, c'est la deuxième étape. Comme on vient de voir, on a vu la première. On a choisi et on a injecté les données. Là, on a vu la deuxième où on a paramétré, on a commencé à paramétrer l'indicateur. Puisque comme l'indicateur a besoin de 50 jours pour tourner, on est d'accord que quand vous le lancez au début, il faut le réchauffer un peu rapidement pour qu'il ait 50 jours avant le jour où vous avez décidé de trader ou de lancer l'algorithme. Supposons que vous avez décidé de lancer l'algorithme le 1er septembre. Lui, l'indicateur pour tourner, il a besoin de prendre 50 jours d'avance pour pouvoir tourner. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et donc, quand on clique sur Submit, comme vous le voyez, il tourne. Donc, déjà, ça, c'est bien. Voilà. On est en train de tourner, il mouline. Ok, ça s'est bien passé. Voilà, on peut passer à l'étape
suivante. Voilà. Ce qui est bien, parce que l'étape suivante, c'est l'utilisation d'un indicateur pour la liquidation des positions. Voilà. C'est-à-dire que une fois que on a pris l'indicateur pour comparer les momentum des deux actifs dont on parlait, ensuite, on va essayer de balancer notre portefeuille ou notre cash d'un portefeuille à l'autre, entre les deux indicateurs. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est une présentation en quatre étapes. Première étape, désignation, choix des deux indicateurs. Troisième étape, deuxième étape, on commence à préparer l'indicateur de paramétrage. Troisième étape, on utilise l'indicateur. Quatrième étape, on compare les deux momentum une fois que l'indicateur a fini de tourner et on choisit l'allocation qui doit être effectuée entre le portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, une fois que ça c'est fait, voilà tout le récapitulatif que je vous montre. Donc, initier une stratégie d'allocation d'actifs tactiques, comme on vient de voir pour illustrer la stratégie de momentum. Configurer l'allocation d'actifs tactiques, utilisation d'un indicateur de pourcentage de momentum, préparation d'un indicateur pour le test, allouer automatiquement des fractions de portefeuille. Donc, si vous êtes intéressé par cette stratégie, c'est simple. Vous pouvez trouver la stratégie détaillée au niveau de Quant Connect. Voilà. Donc, par exemple, Technical Allocation. Il faut parler un peu anglais quand même, hein. C'est important. Hein. Technical Allocation, you know. You have to speak English a little bit, yeah. Là, maintenant, tu tapes entrée. Voilà. Voilà. Technical Allocation. Voilà. Voilà. Ensuite, clique sur continuer. Voilà. Et donc, comme on a vu toutes ces étapes-là. C'est une œuvre pour le choix d'allocation, préparation du pourcentage. Voilà. Là, on a préparation et testing. Voilà, sur ce côté-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont tout en bas. C'est pour voir à peu près ce qu'ils vont nous demander, parce qu'on dans le tutoriel, ils vont vous demander d'organiser les trucs. Donc là, c'est le setup du CI avec le benchmark. Et le deuxième truc, c'est de chauffer les 50 jours pour pouvoir utiliser l'indicateur. Donc comme vous le voyez ici, on est d'accord. Premier, c'est le benchmark. Ça, c'est pour calculer le benchmark. On est d'accord. Ensuite, juste après, c'est pour préparer l'indicateur. Et ensuite, quand on le submit, tac, il mouline. Et normalement, c'est bon. Alors là, il est en train de compiler. Voilà. Là, il compile. Recharge un peu pour relancer un peu et voir un peu comment ça tourne. Voilà, là il compile. Ah, à compiler, congratulations, c'est passé. Donc voilà, donc c'était pour vous présenter rapidement ça. Donc n'hésitez pas, dans cette chaîne, on va parler essentiellement et beaucoup du trading algorithmique. Voilà, donc. Là, c'était vraiment vous introduire un peu à une stratégie très intéressante qui est la stratégie de momentum. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai des bouquins il y aura des liens un peu partout. Vous pourrez avoir, si vous voulez approfondir cette stratégie, il y aura des bouquins qui parleront autour de cette stratégie, des documents qui parleront autour de ça. Voilà. Donc, si vous voulez approfondir vos stratégies de trading au niveau du momentum. Voilà. Donc, c'était une première présentation de cette stratégie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre tous vos retours en commentaire. Voilà, je vais essayer d'y répondre et de prendre en compte ça pour les prochaines vidéos. Et
Il y a d'autres vidéos sur l'organisation, la structure des algorithmes. N'hésitez pas à aller les regarder, partager, mettez des likes et soutenez la chaîne. On va à fond, on va faire du trading et on va faire du trading rentable et automatisé.